et on y va. On y va. Bon. Non, j'ai pas regardé. Eh bien, moi, ma très chère, j'ai eu grande peine.
Mon mari a toussé toute la nuit après cette gavée de sardines au dîner. Eh bien, puisque tout le monde est là, commençons. Première question, avez-vous fait ce qui était convenu à la fête? Moi, d'abord, j'ai rendu mes aisselles plus hérissées qu'un hérisson, comme convenu avec Pénicius. Oh. Moi, quand mon mari me quittait pour aller à l'assemblée, je me frottais tout le corps d'huile croquikis et m'exposais debout au soleil pour brunir ma peau comme un homme. Oh. Et moi, j'ai commencé par jeter le rasoir de la maison avec patriarcouille, plus homme, plus moi. Oh. Et avez-vous les barbes que je vous ai commandées pour notre assemblée? Par écat, moi j'en ai une belle, quasiment plus belle que celle du père Foura. Hein. Bah, je vois aussi que vous avez le reste prêt. Comme nous l'avions dit, Godiodome, Patronjob, je manque le Moi, j'ai apporté de quoi tisser pendant l'assemblée. Pendant l'assemblée Malheureuse Où as-tu l'esprit? Ces enfants sont tout nus et ça me donne envie de, tisser. Tu as envie de tisser alors qu'il ne faut montrer aux assistants aucune partie de notre corps? Ah, nous serions dans de beaux draps si l'une de nous, en s'élançant à la tribune, montrait son entrejambe au peuple assemblé. Au contraire, si nous prenons place les premières, elle n'attire pas l'attention, dissimulée sous nos manteaux. Avec cette longue barbe accrochée à notre visage, qui ne nous prendra pas pour des hommes? Au boulot, allons-y tandis que les astres s'allument encore au ciel. Mais nous avons un problème. Quoi? L'expérience. Mais oui, mais aussi nous sommes-nous réunis ici dans l'intention de préparer ce qu'il faudra dire. Toi, accroche cette barbe à ton menton, ainsi que toutes celles qui ont quelque habitude de la parole. Et qui de nous, ma chère, ne sait plus parler? Évidemment, ce n'est pas moi. Voyons donc. Toi, accroche cette barbe et métamorphose-toi, mec. Moi, je vais distribuer le carton d'orateur et m'attacher une barbe comme vous pour le cas où je voudrais parler. Tiens, prends celle-ci. Même si elle est ridicule. Et pourquoi ridicule? Bah oui, on dirait une vieille serpillère mal lavée plutôt qu'une barbe. Garantit toujours tout ce qu'il trouve. Aux uns la richesse, aux autres la pauvreté. Aux uns la liberté fondée sur la propriété. Aux autres l'esclavage, conséquence terrible de la misère. Je suis contre! Wouh! Contre! J'en prends à témoin les deux déesses, à témoin
Déméter, youhou, Aphrodite. Youhou. Alors déjà, on n'est pas contre rien. Et ensuite, les deux déesses. Oh, as-tu une esprit? Mais qui a-t-il? Je n'ai pas encore demandé à boire. Mais non, pas Zeus. Tu es un homme, et les hommes ne jurent que par les... Que par les hommes. Mais non, les dieux. Les dieux. Les dieux. Bon. Pour le reste, ce que tu as dit était très bien. Ah oui, par Aphrodite. Par Apollon. Oui, par Apollon. Bon, je peux continuer parce qu'on ne vient pas à l'Assemblée si tout n'est pas parfaitement réglé. Passe-moi ce carton. Je veux parler, moi aussi. Je crois avoir médité mon discours au poil. Hein? Selon moi, vous qui êtes assemblée ici, femme d'Athènes. Tu dis femme? Alors que tu t'adresses à une assemblée d'hommes. Non, mais c'est à cause de tous ces minis qui ont de l'assemblée, j'ai cru parler à des femmes. Va t'asseoir. Je vais parler moi-même pour vous toutes. Et je prends ce carton. Là-bas. N'oubliez pas. Athénien. Je souhaite à l'égal de vous-même, l'intérêt de ce pays. Mais je souffre et m'indigne de tout ce qui se passe dans notre cité. Je la vois toujours gouvernée par des corrompus. Et si l'un d'eux est honnête une seule journée, il sera corrompu durant 10 jours. Se tourne-t-on vers un autre, il fera encore plus de dégâts. Je sais qu'il n'est pas commode de faire la leçon à des gens difficiles à contenter, comme vous, qui craignez ceux qui veulent vous aimer et qui implorez à chaque occasion ceux qui ne le veulent pas. Par Aphrodite que c'est bien dit. Ah ben non, parce que là, tu as nommé Aphrodite. Et tu le dis pas à l'Assemblée. Je ne le dirai pas. Eh ben non, prends pas l'habitude, on commence tout de suite. Lorsque nous délibérions sur telle ou telle loi, on disait que si elle ne passait pas, c'en était fait de la ville. Quand elle fut votée, on s'en mordit les doigts. Et celui qui l'avait présentée décampa. Faut-il un impôt sur la fortune? Le pauvre vote oui. Les riches et les paysans votent non. Non. Oh mais, voilà. Mais que cet homme est malin. Cet homme, voilà. C'est vous, le peuple, qui êtes la cause de ces maux. Ah ah vous profitez des affaires publiques. Chacun considère le gain personnel qu'il en tirera. Et l'État se traîne en boitant comme Quasimodos. Pourtant, si vous m'écoutez, vous pouvez encore être sauvé. Je déclare qu'il faut remettre le gouvernement aux mains des femmes. Bravo! C'est bien elle que nous comptons chez nous, la gestion et la dépense. Je vais vous montrer à quel point elle nous surpasse en qualité. Car vous n'en verrez pas une. Cherchez à innover. Quand elles font des grillades, elles restent assises, comme autrefois. Elles font cuire les gâteaux en four, comme autrefois. Elles maltraitent leur mari, comme autrefois. Elles sont des amants cachés, comme autrefois. Elles s'achètent en douce des friandises, comme autrefois. Elles aiment le vin pur, comme autrefois. Et elles font l'amour avec plaisir, comme autrefois. Livrons-leur la cité sans bavardage si inutile. Laissons-les gouverner gentiment. Voyons seulement que, étant mère, leur premier souci sera de préserver nos enfants. Pour se procurer de l'argent, rien de plus malin qu'une femme. Au pouvoir, elles ne seront jamais trompées, vu qu'elles sont elles-mêmes habituées à tromper. Moi, je n'insiste pas. Suivez mon conseil et vous coulerez votre vie dans le bonheur. Pendant longtemps, avec mon mari, j'ai habité en face de l'Assemblée. Et
parfait, que tu sois éloquente et habile. Nous autres femmes, nous te choisissons comme chef. Ouh, accomplis ce que tu as conçu. Mais Cinéopides t'insulte avec ses yeux chassieux. Je lui dirai d'aller mater le cul d'un chien. Et sinon, t'agresse physiquement, hein. Je rendrai. Je ne suis pas une débutante dans la bagarre. Mais si les gendarmes te tombent dessus, qu'est-ce que tu feras? Je me défendrai à coups de cul. Elle ne pourra jamais m'attraper par le bassin. Voilà un plan parfaitement machiné. Mais comment lèverons-nous la main pour voter sans nous trahir? Nous, c'est plutôt les jambes qu'on habitue à lever. Ce n'est pas facile. Il faudra voter à main levée en évitant de découvrir le bras jusqu'à l'épaule. Allons maintenant, fixez bien les gros souliers de vos maris, arrangez vos barbes, enveloppez-vous des manteaux d'hommes que vous avez subtilisés et mettons-nous en marche, appuyés sur nos bâtons, en chantant une vieille chanson à succès. Pas demandé à ta pute de femme.
comme où il est? Non, Parthos. Elle ne se passe dans la maison, c'est chien. Elle finit en douce. Et je crois qu'elle ne fasse une bêtise. Mais non, c'est pareil pour moi. Ma femme a disparu avec mon manteau habituel et ce n'est pas tout. Elle a aussi pris mes grolles. Je les retrouve nulle part. Comme moi, comme j'ai été pris d'un besoin pressant, j'ai vite chaussé ces escarpins, de peur de chier sur ma couverture qui est tout propre. Que se passe-t-il? De ses amis l'aurait-elle invité à une pyjama partie? Pas possible. Elle n'est pas dépravée, que je sache. Mais tu chies les cordes? Bon, aujourd'hui on a assemblé dans l'espoir d'y retrouver mon manteau, c'est le seul que j'ai. Moi aussi, quand j'aurai fini. Mais là, là, j'ai une poire sauvage qui obstrue le passage de ma tête. Est-ce la poire dont parlent tous les historiens? Celle qui bouge tout et qu'on appelle poire d'angoisse? Pardon, Jesus. Eh, tiens bon! Ouais. Que faire? Et du coup, autre chose me perturbe. Maintenant que la porte est verrouillée par cette créature piriforme, par où passeront désormais les excréments? Qui m'emmènera au médecin? Et lequel? Qui est le plus habile dans la science des trous de balles? Ah, Minon, pourquoi pas? Ah, mais peut-être me refusera-t-il. Oh, qu'on cherche un système à tout prix! En raison de ses soupirs intestinaux, il doit savoir ce qui convient à un derrière constipé. Oh, respectable Élysée! Ne me laisse pas crever d'un verrouillage cunier et devenir la risée des humoristes! Cœur public! En raison de la violence de la situation, nous avons décidé de censurer ce qui va suivre et d'écourter cette scène. Merci de votre attention. Blépi, 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 mais qu'est-ce que tu fous? On dirait que tu chies. Et non, c'est fini, je me relève. Et t'as mis la robe de ta femme? Oui, bah, je l'ai prise sans y voir, dans l'obscurité. Et d'où viens-tu, dis-moi? L'assemblée. Elle est déjà finie? Oui, par Zeus, dès le petit matin. Et t'as reçu ta rétribution? J'aurais bien aimé, mais je suis arrivée trop tard. Mais j'ai honte de rentrer chez moi avec ma bourse vide. Quoi, trop tard à l'aube? Oui. Mais à cause de quoi? Une affluence d'hommes, telle qu'on n'en a jamais vu sur la place. Ils avaient tous la peau très... très blanche. En les voyant, nous les avons tous pris pour des veilleurs de nuit. C'est comment? Ni moi, ni d'autres, mais surtout pas moi, n'avons rien reçu. Tu veux dire que si j'y allais maintenant, je ne recevrais rien? Rien de rien, même si t'étais venu dès le second chant du coq. Pauvre de moi! Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la thune! Oh, j'ai tout perdu! Mais quelle affaire a réuni dans si bon matin une si grande foule? Mais rien! Si ce n'est que les élus ont mis en délibération les moyens de sauver l'État. Et ce chassieux Néoclides s'est levé en premier. Alors le peuple a commencé à s'écrier, à tout rompre. Mais comment cet homme ose prendre la parole au nom du salut de l'État, alors qu'il n'a pas pu soigner ses paupières, et patati, et patata. Alors, lui répondant à la foule, mais qu'est-ce que je devais faire? Oh, ben, je sais bien ce que je lui aurais répondu si j'avais été là. Est-ce que tu devrais faire broyer de l'ail avec du jus de citron et des piments et t'en frotter les paupières le soir? Après lui, ce gros malin des Béons s'est avancé tout nu à ce qui semblait au plus grand nombre d'entre nous. Mais lui disait qu'il était vêtu à contrario et s'en est expliqué dans un discours très populaire. Voyez, dit-il, que j'ai moi-même besoin d'être sauvé et que cela ne coûterait que le prix d'un manteau. Comment sauverez-vous la société et les citoyens? Qu'au début des grands froids, les tisserands fournissent des manteaux à ceux qui en ont besoin. Ainsi, plus personne n'attraperait de bronchite. Que ceux qui n'ont ni lit, ni couverture, aillent dormir chez les fourreurs. Et si l'un d'eux refuse d'ouvrir sa porte en hiver, qu'il soit condamné à fournir 3 fourrures. Par Dionysos, c'est parfait. Nul ne l'aurait contredit s'il avait ajouté... Et que les marchands de farine fournissent aux pauvres plusieurs doses pour leur nourriture, sous peine de punition. Après lui, un beau jeune homme,
Très beau jeune homme, je dois l'avouer. Un teint blafard, assez féminin. Un petit nez en trompette. Des joues rougies par le froid du matin. Des lèvres petites mais charmées. Des grands yeux en amant et noisette. Mais qu'a-t-il dit? Il s'est élancé à la tribune et a commencé par dire qu'il fallait remettre le gouvernement aux mains des femmes. Alors, la bande de veilleurs de nuit s'est mise à applaudir à tout rompre et s'est pris qu'il parle bien. Mais les gens de la banlieue s'y opposent. Bah, pardon, vous avez raison. Ah, mais ils étaient en minorité. Le jeune homme dominait leur clameur, disant beaucoup de bien des femmes et beaucoup de mal de toi. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il a dit que t'étais un enfoiré. Pourquoi? Ah, m'interroge pas là-dessus. Et un voleur. Moi seul. Et un dénonciateur. Moi seul. Toi. Et tous les hommes, là. Personne ne le conteste. Puis il a commencé par dire que la femme et la sagesse même est source de fortune, qu'elle ne divulgue jamais le secret de leur réunion, alors que toi et moi, on divulgue toujours les décisions du conseil. Non, ça c'est pas faux. Puis il a commencé à dire qu'elles se prêtent entre elles de la vaisselle, des bijoux, des habits, et qu'elles se rendent tout, seule à seule, sans témoin, sans jamais se faire du tort. Alors que d'après lui, nous on se fait du tort fréquemment. Non mais c'est vrai, même quand il y a des témoins. Qu'elles ne font ni procès, ni conspiration, ni délation. Oui bon. Qu'elles ont toutes les qualités, patati, patata. Mais qu'a-t-on résolu? De leur remettre le gouvernement à elles. D'autant que c'est la seule nouveauté qu'on n'ait pas essayée par ici. Elles vont être chargées de tout ce qui a été confié aux hommes. Oui absolument, toi t'auras que le problème de t'empiffrer et de péter. Mais nous n'avons qu'une seule chose à craindre, c'est dans le pouvoir. Quoi? Mais qu'elles nous prennent de force. Mais pour quoi faire? Mais pour les baiser. Mais si nous ne pouvons pas, elles nous priveront de repas. Bah débrouille-toi pour trouver à bouffer et bien les baiser, hein. Oh, mais ce qui est fait par contrainte est toujours pénible. Mais si l'intérêt de la ville l'exige, tous les hommes doivent s'y soumettre. C'est une tradition héritée de nos pères que les décisions les plus extravagantes virent toujours à notre avantage. Porte-toi bien, Bépi. Et il souhaite ta constipation. Allez, avance! Y a-t-il des hommes qui nous suivent? Retourne-toi, fais bien attention! Il y a pas de nom malveillant, prends garde, on nous étire par la mer! Prudente, surveille tous les côtés! À gauche, à droite! Quelqu'un tient le choupant! Mais dépêchons-nous, hein! Quatre fois allons derrière ce mur! Reprends tes vêtements habituels! Décrochons vite nos barbes! Nous voici à l'endroit où nous sommes partis pour l'assemblée! On peut voir la maison de notre guide, celle qui a monté ce projet que les citoyens ont approuvé! Nous voici notre général qui revient de l'assemblée! Je suis là! Croyez-vous! Laissez tomber vos barbes! Mais les barbes arrivent! Elles ont pris le pouvoir! Il te fallait
quand même tes vêtements. Au lieu de ça, tu prends les miens, tu me laisses ta robe et tu me plantes là, comme un mort en exposition. Si ce n'est que je n'ai ni couronne ni fleur. Il faisait froid. Je suis faible et délicate. Je me suis enveloppée pour me tenir chaud. Et toi, je te laissais bien chaudement au toto. Mais mon bâton aussi a disparu avec toi. Et mes chaussures. Pourquoi faire? Et pour éviter qu'on me vole le manteau, j'ai changé de chaussures et marché comme toi, faisant du bruit avec les pieds et frappant la terre avec le bâton. Du coup, tu as perdu l'indemnité que j'aurais dû gagner à l'Assemblée. Mais pas grave, elle a fait un solide garçon. Quoi, l'Assemblée? Celle que j'ai secourue. Ah oui. Est-ce que l'Assemblée a eu lieu? Évidemment, tu ne te souviens pas de ce que je t'ai dit hier? Ah oui, 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 maintenant je me rappelle. Tu ne sais donc vraiment pas ce qui s'y est passé? Non, j'en sais rien, toi non plus. Bien sûr, on y était. Non, mais non, j'étais au Somalie. Mesdames, vous pouvez prélasser dans l'hélice. On dit qu'on vous a donné le pouvoir. Oh mon Dieu! Mais pourquoi faire pour pousser? Mais non, par Zeus! Pour gouverner! Gouverner quoi? Mais tout ce qui concerne les affaires de l'État! Mais par Aphrodite, la République va prospérer alors! Comment ça? Mais pour un tas de raisons! Le crime! Nos emplois souillés, fini! Les faux témoignages, la délation! Mais par tous les deux! Fratagora! Tu ne vas pas me couper les yeux! On ne volera plus et on sera plus rançonné à nuit non plus! Parce qu'il y a plus de tribunaux, plus d'agressions. Ça sera vraiment super top. Parfois, dis donc. En voilà de belles promesses! Si ce ne sont pas des mensonges, je les réaliserai! Vous me rendrez témoignage! Et celui-ci ne pourra plus me contredire! C'est le moment de mettre en œuvre! Mon génie pratique! Oui, tes sentiments démocratiques et de combler tes amis! L'intérêt collectif doit guider ta fine intelligence pour apporter le bonheur au peuple et lui montrer de quoi il est capable. C'est le moment, notre cité a besoin d'un plan raisonnable. Mais ne tente rien qui ait déjà été pratiqué, car tout ce qui est réchauffé l'indispose. Ne traîne pas, dépêche-toi d'appliquer tes idées, la vitesse plaît au public. Bravo, bravo, bien dit, bien dit, bravo, bravo. Tes décisions sont les meilleures, Praxa, ça ne fait pas un feu. Que personne ne me contredise. Dis le barreau avant que j'aie fini d'exprimer ma pensée. Mais bon, je dis que tous les biens doivent être mis en commun et que chacun doit en avoir sa part pour vivre. Il ne faut pas que l'un soit riche et l'autre pauvre, que l'un soit servi par une foule de larbins et que l'autre n'ait personne avec lui. Donc, j'établis une vie communautaire, la même pour tous. Mais comment ça t'est la même pour tous? Eh ben, toi, tu mangeras de la merde. Ouais, la réussite en commun. Non, mais tu m'as interrompu. Bon, voilà ce que je voulais dire avant d'être interrompue. Primo, je mettrai en commun la terre, l'argent et les possessions. Deuxio, avec tous ces biens réunis, nous vous nourrirons en gérant tout à bon escient et avec parcimonie. Oh, ah, bravo! Celui qui ne possède pas de terre, mais de l'argent, du liquide, des richesses cachées, hein? Ah, Bah, il les apportera en dépôt. Au risque de passer pour un fou. Et si c'est comme ça qu'il est riche? Bah, ces richesses ne serviront à rien. Comment ça? Plus rien ne justifiera la pauvreté. Et tout appartiendra à tous. Pain, gâteau, vêtements, bijoux, charcuterie, pois chiche. Que gagnerait-on à ne pas déposer sa part dans la communauté? Qu'en penses-tu? Et ceux qui possèdent tout cela ne sont-ils pas les plus voleurs? Autrefois, peut-être, avec les anciennes lois. Mais maintenant que tout le monde aura de quoi vivre, à quoi bon ne pas déposer sa part? Donc, si quelqu'un voit une lunette qui lui plaît et désire en jouir, il pourra lui faire un cadeau sur ses réserves et participer au bien commun, tout en abaisant. Il pourra coucher avec elle, gratis. J'entends que toutes les femmes soient communes à tous et fassent des enfants avec qui voudra. Mais tous les hommes vont se précipiter vers la plus jolie. Les plus laides et les plus contrefaites se tiendront auprès des plus belles. Si tu veux posséder les secondes, tu devras passer par les premières. Et si nous couchons avec une laide,
Ne serons-nous pas complètement ramollis avant de s'attaquer à la jolie? Ah, mais elles ne résisteront pas. À quoi? Sois tranquille, elles ne résisteront pas. À quoi? À la volupté. Voilà pour tout cas. Et votre calcul est plutôt bien pensé. Il est pensé pour que vos trônes ne soient jamais vides. Et les hommes, que feront-ils? Les meufs fuiront les vieux et les laids et cavaleront après les gracieux jouvenceaux. Mais non! Les hommes, idiots, suivront les plus jolis garçons à l'issue des repas et dans les lieux publics. Et les femmes ne pourront coucher avec ceux-ci qu'après s'être données à cela. Tu veux dire que le corps d'un laidron aura autant de droits que celui des jeunes mecs les plus séduisants? Ben oui, par après. C'est laissé un décret équitable et ça sera une drôle de leçon pour les arrogants et les coquets. Lorsqu'un minable leur paiera, laisse-moi passer, attends que j'ai fini le néki, tu prendras le second tour. Mais avec cette façon de vivre, comment chacun reconnaîtra-t-il ses enfants? T'as quoi? Bon, les enfants reconnaîtront pour leur père tous les hommes les plus âgés. Mais ne vont-ils pas s'attaquer à n'importe quel vieillard sans le connaître? Puisque de nos jours, ils s'attaquent à leur père qu'ils connaissent. Mais qu'est-ce que ce sera s'il leur est inconnu? Comment éviter qu'il lui caque sur le nez? Mais quiconque en sera témoin s'y opposera. Jadis, ils s'en fichaient que l'on frappe le père des autres. Maintenant, chacun, dès qu'un vieillard sera battu de peur que son père ne soit la victime, prendra sa défense. Non, tout ça est fort bien dit. Cependant, si Erdoganos ou Poutinos m'appelait son père, ça serait fort désagréable. Hein. Il y aurait quelque chose de plus désagréable encore. Hein. Quoi donc? Que Zemmouros vienne t'embrasser en t'appelant. Ah, il s'en repentirait cruellement. Et toi, tu sentirais le fagot. Mais de toute façon, il est né longtemps avant le décret, tu n'as pas à craindre. J'en serais désespoir. Bon, qu'est-ce que j'aurai à faire? Tu n'auras que le souci d'aller t'empiffrer quand viendra l'heure du dîner. Plus de vol? On ne sera plus rançonné la nuit? Il n'y aura plus de tribunaux, puisque plus d'agressions. Plus de vol, puisque tout le monde aura de quoi vivre. Si l'on t'attaque, laisse-toi dépouiller tes vêtements. À quoi bon résister? On ira choisir un meilleur habit ou comment? C'est à moi. Et quel type de vie vas-tu établir? Oh, pas grand-chose, hein. Une communauté parfaite. Je veux faire de la ville une seule et même habitation. Tout se tiendra de sorte qu'on passe librement de l'un chez l'autre. Et les repas seront-ils pris en commun? Oui, dans les tribunaux désaffectés. Les femmes iront en devant de vous, au sortir de table, en disant: viens ici, il y a une jolie fille. Mais une autre, du haut de sa fenêtre, crie-moi: viens chez moi, j'en ai une bien belle et bien blanche, mais il faut d'abord coucher avec moi. Les hommes hideux suivront les jolis garçons en disant: où vas-tu? Tu ne gagneras rien à courir ainsi. La loi veut que les hommes les plus moches et les plus mal foutus soient les premiers cajolés. Toi, en attendant, amuse-toi bien en te tripotant tout seul sous le vestibule. Eh bien, dis-moi, ça te plaît? Oui. Super. Je vais maintenant aller sur la place publique, recevoir les biens que nous allons mettre en commun et trouver une femme avec une bonne voix comme porte-parole, parce que c'est indispensable pour gouverner. Ensuite, je vais approvisionner la table commune pour que vos banquets commencent dès ce soir. Et ensuite, je vais supprimer la prostitution. Quoi? Mais pourquoi? C'est évident. Pour éviter la priorité sur les jeunes gens et jeunes filles. Je ne veux pas que des professionnels bien balancés détournent le plaisir des citoyens et des citoyennes ordinaires. Bon, je te suis prêt pour profiter de ton prestige et entendre murmurer « c'est le mari de la patronne, je m'en respecte. » Me voici prêt à porter mes affaires sur la place publique pour l'inventaire de mon patrimoine. Viens ici. Je vous lirai. Le premier ustensile que je sors de chez moi a encore parfumé au bon fromage de mes derniers spaghettis. Oh, toi, la casserole, bien nettoyée, dans laquelle j'ai versé tant de soupes délicieuses. Ah. Toi, la poêle, tu es bien sombre, comme si j'avais mijoté de la teinture pour noircir des cheveux blancs. Ah tiens, la brosse, viens auprès d'elle et frotte-moi tout ce noir. Je t'ai pas nourri. Si. Non, super, la valise, viens. Oh. Installe.
sache, toi qui m'as souvent fait lever à l'aube, presque la nuit, par ton chant matinal pour m'envoyer à l'assemblée. Apporté par l'apiculteur, voici le pot de miel. Que l'on placera près des rameaux d'olivier. Quant aux petits couverts et à la menu vaisselle, laissons-les. Moi, j'irai sacrifier mon bien. Il faudrait être un bon type à l'esprit borné. Non, par poussée de jamais. Je veux d'abord examiner la chose de près. La peser avec soin. Je ne vais pas risquer bêtement, comme cet abruti à la légère, le fruit de mes sueurs et mes économies avant de m'être bien informé. C'est quoi le bazar? Tu déménages? Je vais les mettre en gage. Non, je vais les offrir sur la place publique, conformément au décret. Les offrir? Absolument. Parce que je suis un gogo. Une gogo? Ne dois-je pas obéir aux lois? Quelle loi, malheureux? Loi officielle. Officielle, qu'est-ce que ça veut dire? Simple, parce que j'obéis aux lois. Oui, complètement abruti. Alors tu ne vas pas déposer ton patrimoine? Pas question, à connaître la vie de la majorité. On... Mais comment pouvait-elle exécuter un dessein si grand?
si glorieux. Elle qui reste toujours à la maison, bien fardée, bien parée, bien surveillée. Il n'est pas aisé aux femmes de sortir de la maison. L'une est occupée auprès de son mari, l'autre va à ses tâches ménagères, celle-ci couche son enfant, celle-là le baigne, une autre lui donne à manger. Pour les bouger, il m'a fallu beaucoup de persuasion. Il s'agit d'une affaire que j'ai méditée et retournée en tous sens pendant de longues insomnies. Si subtile que le salut du pays entier était entre les mains des femmes. Il dépend de nous d'assurer le sort de la République. Tournons-nous vers les spectateurs et chantons nous-mêmes nos louanges, puisque tout le monde parle mal des femmes. On dit bien que nous sommes un fléau pour les hommes, que de nous viennent tous les maux, procès, querelles, séditions funestes, chagrins, guerres. Mais je vous le demande, si nous sommes un fléau, pourquoi vivez-vous avec nous? Pourquoi mettez-vous tant de soin à garder une peste? Il est donc clair que nous valons bien mieux que vous. Toutes, d'un commun accord, demandons que nos vœux en faveur du peuple et de la République s'accomplissent. Quant à celles qui usent de tromperie et qui violent les serments solennels pour leur intérêt particulier et aux dépens de l'intérêt public, ou qui cherchent à changer les lois et les décrets comme le faisaient les hommes, celles-là sont ennemies des dieux et de la patrie. Ô Athéna, déesse toute puissante, exauce nos prières et que tous les dieux nous soient propices. Quoique nous soyons des femmes. Le sang me poudre les veines et je souffre pour notre sexe de voir les hommes nous regarder comme des servantes. Des êtres malfaisants. Ils croyaient, ils nous prenaient pour des servantes. Mais il ne faut pas irriter la guerre. Précédemment, dans l'Ancien Régime, nous avons supporté votre conduite avec une modération exemplaire. Vous ne nous permettiez pas d'ouvrir la bouche. Vos décrets étaient peu faits pour nous plaire. Cependant, ils ne nous échappaient pas. Et souvent, au logis, nous apprenions vos résolutions funestes sur des affaires importantes. Alors, cachant notre douleur sous un air riant, nous vous demandions, qu'est-ce que l'Assemblée a résolu aujourd'hui? Quel décret avez-vous rendu? Qu'est-ce que cela te fait? Disaient nos maris. Tais-toi! Et nous nous taisions. Une autre fois, vous voyant prendre une résolution des plus mauvaises, nous disions, mon ami, comment pouvez-vous agir si follement? Il nous regardait aussitôt de travers, en disant, occupe-toi de tes affaires, femme, ou ta tête se ressentira. La politique est l'affaire des hommes. Il y en a forcément parmi vous qui pensent qu'ils avaient raison. Raison ? Misérable ! Il ne nous serait pas permis de vous avertir lorsque vous prenez des décisions funestes. Enfin, las de vos errances, de vos malversations, les femmes ont résolu de se réunir pour travailler de concert au salut de la nation. Qu'aurait-il servi d'attendre ? Si donc, vous voulez écouter nos sages conseils et vous taire à votre tour, comme nous faisions alors, nous pourrons rétablir vos affaires. Allez-y, partez, les deux pieds légers, prenez-vous la main, gambadez, dansez, chantez la concorde absolue complète. Si tu t'imagines, fillette ou fillette, que dans ce théâtre, alors je dis femme, les mécomotives, que je suis une femme. Fillette.
enfin d'abolir l'usage des armes et que le sourire remplace les larmes. Que ça te plaise ou non, ah, mais
j'en ai parlé sexagénaire. Nous ne traitons que les moins de 20 ans. C'était comme ça dans l'ancien régime, mon coco. Aujourd'hui, on nous serre les premières. C'est la loi. Je ne sais ce que tu dis, il faut que j'aille à cette porte. Mais c'est d'abord par ma porte que tu dois aller voir ta contrôle à l'entrée. Oh non, je sais que je te plais. Mais tu es tout et tout digne de me trouver devant cette porte. Ah non. Viens nous enfoncer. Et ma bonne. Oui. Je crains ton amant. Qui ça? Ce merveilleux peintre. Quel? Celui qui peint des natures mortes. Bon, rentre vite, de peur qu'il ne te voie devant cette porte. Non, non, je sais ce que tu veux. Moi aussi, par Dieu. Je sais ce que tu veux. Par la prodigue, ma protectrice, je ne te lâcherai pas. Ah, tu es folle, ma vieille. Oh, tu plaisantes, gros malin, mais il faudra bien que tu partages ma couche. Ah, mais je n'en vois pas la nécessité, à moins que tu payes l'impôt à ma place, dis. Par Aphrodite, ne discute pas. Moi, j'aime coucher avec les jeunes comme toi. Et moi, je ne puis souffrir les vieilles comme toi. Rien ne m'obligera jamais. Par Zeus, ceci t'y forcera. Qu'est-ce que c'est? Un décret. Qui t'ordonne de coucher avec moi. Dis, qu'est-ce que ça dit? Les femmes ont décrété que si un jeune homme convoite une jeune fille, il ne pourra jouir d'elle avant d'avoir préalablement honoré une vieille. S'il refuse de se soumettre à cette obligation, les vieilles femmes auront le droit de l'empoigner et de le traîner par son zizi. Oh, malheur, on va faire de moi un eunuque à la prison. C'est la loi. On ne peut pas se défiler. Au tout prétexte, c'est interdit. Et que faut-il faire alors? Mais viens chez moi. C'est obligé? Alors, sans discussion. Alors, arrange ta couche comme un lit de mort et prépare mon cérémonial funèbre. C'est ça, et tu m'enverras faire part. Oui, par Zeus, si tu vis encore après l'extinction des lumières, car j'espère que tu vas tomber reine morte en rentrant chez toi. Où vas-tu avec ce garçon? Mais il est à moi, je l'emmène. Mais tu as perdu la raison, il n'a pas l'âge. Il est trop jeune pour coucher avec toi. Tu pourrais être sa mère. En instaurant cette loi, il n'y aura plus de Zeus sur la terre. Ah, petite garce! C'est la jalousie qui te fait parler. Mais je me vengerai. Par Zeus, ma chérie, tu m'as sauvée de cet ancêtre. En reconnaissance, je vais t'envoyer au 7e ciel. Mais dis donc, toi, où vas-tu avec ce jeune homme? Tu violes la loi et elle ordonne qu'il doit d'abord coucher avec moi. Une catastrophe. Ce monstre est encore plus horrible que l'autre. Allez, viens! Je t'en supplie, ma chérie. Ne laisse pas violenter par cette centenaire. C'est pas moi, c'est la loi qui te violente. Ah non, non, non. C'est plutôt un monstre couvert de pustules sanguinolentes. Dis-moi, mon mignon, elle ne discute pas. Laisse-moi le calmer. Ça me remontera, sinon... Je sens que la peur va me faire lâcher quelque chose de rouge. Allez, courage, j'irai à l'intérieur. Je ne vais plus pouvoir me retenir. Laisse-moi, je te dédommagerai. Dis donc, toi, où vas-tu avec cette vieille? Je ne vais pas, on m'emporte. Qui que tu sois, les félicités pleuvront sur toi si tu viens à mon secours dans ce... Malheur. Encore vivante. Oh, Dieu, secours. Au pont, au Héraclès. Ce monstre est encore plus horrible que l'autre. Mais quelle chose est-ce cela? Une gueule non plâtrée de détritus, une vieille zombie. Oh, ne te moque pas, elle vient avec moi. Non, avec moi. Moi. Vous m'écartelez, maudite grand-mère. Mais non, la loi, c'est moi que tu dois suivre. Ah. Oh, pas du tout, s'il se présente une autre vieille encore plus laide. Si vous commencez par me bousiller, comment vais-je rejoindre cette jolie fille? Tu te débrouilleras, mais fais ce que je te dis. Bon, laquelle dois-je chevaucher la première? Tu le sais bien, viens avec moi. Ah, que celle-ci me lâche. Non, moi. Ah, que l'autre me lâche alors. Non, je ne lâcherai pas. Moi non plus. Vous ferez de très mauvais qui t'appelle. Pourquoi? Vous leur arracherez les membres en les tirant ainsi. Toi, et viens. Non, viens. C'est un vrai cas d'ubiquité. Il faudrait que je me dédouble pour les empaler en même temps. Sinon, comment planter deux pieux à la fois? Tu n'as qu'à te faire rêver un deuxième piquet. Bingo, la vieille. On m'emporte. Je touche déjà l'enfer. Tu n'y gagneras rien. J'entrerai avec toi. Oh non, non, mieux vaut un malheur que deux. Mais
je dois me noyer en naviguant dans le marécage de ces deux monstres, que l'on m'enterre sur le seuil même de la porte, et la survivante, qu'on l'enduise de poids, qu'on garnisse ses pieds de plomb fondu, et qu'on l'érige sur mon mausolée, enflammé, en guise de candélabre. Tout le monde est heureux. Entre vous et moi. Et vous qui êtes assemblés ici, et tous les autres, voisins, citoyens, et moi aussi, qui me suis enveloppé d'un rôle capitaine, mais plus exquis encore, et le parfum du vin coulant à flot, il nous reste longtemps dans la tête, et dans la tête, tandis que les autres odeurs s'évaporent. Oui, je suis d'accord avec vous, les pichets sont préférables de beaucoup, grand Dieu! Mais versons-nous du vin pur. Il inspire la gaieté toute la nuit. Alors, qu'on sait choisir celui qui a le meilleur bouquet. Mais, dis-moi, très cher, où est mon époux? Ah, si, tu le trouveras. Effectivement, le voici qui vient. Oh, mon mari, tu ne connais pas ton bonheur. Moi? Toi, le plus heureux des hommes. C'est qui l'a retué? Parmi plusieurs milliers de citoyens, le seul qui ne soit pas encore revanqué. Oui, voilà en effet un homme heureux. Ah, bien. Et bien, Fatou, je m'en manquais. Mais, Paraphrodite, tu seras le dernier convive. Je vais t'accompagner et nous emmènerons le cœur avec nous. Allez, parti. Oui, non. Ladies and gentlemen, il reste du vin de qualité et un tas de bonnes choses. Je vous prierai, en tant que spectateurs généreux et critiques impartiaux, d'être témoins de notre allégresse. N'oubliez personne, invitez généreusement vieillards, jeunes gens, enfants, le dîner est préparé pour tout le monde. Allez, vas-y. Et je vais au festin. Je vous fous, c'est parti. Mais par contre, les jeunes filles, accompagnez-nous. Pas du tout, je vais d'abord faire un petit adieu au public. Que les sages nous jugent sur ce que nous avons dit de sages, et que les rieurs nous jugent sur ce qu'ils ont fait rire, nous soumettons au jugement de tout le monde, mais que votre opinion ne soit pas contraire à la conclusion de cette pièce. Souvenez-vous de tous nos efforts, fiez-vous à votre impartialité et jugez les artistes selon leurs mérites. N'imitez pas ces villes courtisanes qui ne se souviennent que des derniers qui les ont aimés. Mes amis, si nous voulons en finir, il est temps de nous rendre au festin en dansant. On mesure, marquons le pas, c'est parti! À la confiance, dans la destinée, marchons en cadence pour nous régaler dans une chaude ambiance du menu sacré! Dans nos cabillons, ton langouste, abri, que vous y avez toujours mis la peau.
notre amour de Nouma Sadoul. Public qui avait été là pour nous pour un accueil très 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 chaleureux.